tous et à toutes, il vente, il pleut, une chose est sûre, c'est que toute l'équipe de Panier Chérie est ici réunie pour mettre du soleil dans votre cœur et votre maison. Écoutez, vous savez Louise, vous mettez tellement de soleil dans mon cœur que je vais finir par attraper des coups de soleil, attention. Passons tout de suite au premier objet, le balai Escobar de Mila. Oh, mais on commence avec un très bel objet, Louise. Et je ne vous cache pas, Gilles, que c'est mon petit chouchou de la semaine. Je l'adore, je ne pourrais pas m'en passer. Eh bien écoutez, on vous croit sur parole. Comment résister au charme de ce bijou de technologie? En effet, grâce à son manche télescopique, on a merdé. L'Escobar 2000 vous permettra de nettoyer. Tu m'entends? Fais oui de la tête. Tous les objets prévus aujourd'hui appartiennent à un groupe concurrent. Si on en vend un seul, on est foutu. Je compte sur toi. Ne vends rien. Louise, une démonstration? Regardez comment Escobar 2000 et son manche télescopique qui sont... Sexiste! Oui, Louise, vous? C'est un balai, donc c'est la femme qui le présente, je comprends pas. Mais non, Louise, enfin voyons. Vous savez bien que c'est toujours vous qui présentez le premier objet. Oui, donc ça veut dire quoi? La femme à la maison, Escobar 2000 ou devrais-je dire Escobar 1950? Grâce à l'Escobar 2000, vous allez donc pouvoir nettoyer toute la maison. L'Escobar... Escobar, comme Pablo Escobar, le criminel. Un balai qui laisse du sang sur les mains, messieurs, dames. Non, non, c'est Escobar. C'est de l'espagnol, ça veut dire balai en espagnol. Ok, les espagnols sont des malfrats. Gros balai raciste. Moi, je fais pas le ménage chez moi avec un balai d'extrême droite, n'est-ce pas? Écoutez, Louise, nous allons tout de suite passer à l'objet suivant. Ce magnifique vase en céramique de Mésopotamie. Magnifique, mais fragile, Gilles. Mais quelle maladroite vous faites, Louise. Oh là là, dis donc. Oui. Heureusement, nous allons pouvoir nettoyer tout ça avec Adolf Hitler ici présent. Non. Alors, passons à l'objet suivant. Cette corbeille de votre enfance. Son élégance se mariera avec tous les styles. Oui, enfin, j'ai l'impression que ça taille grand, hein. C'est taille unique parce que là, je ne vois rien. Évidemment, c'est une corbeille et non un chapeau. Cette corbeille peut contenir d'ailleurs jusqu'à 21 fruits. Ce qui permet par exemple... Des fruits dans un chapeau? Mais qu'est-ce que vous racontez, Sheila? Vous êtes toc-toc. Passons donc à l'objet suivant, du coup. Chou-chou. Ok, carrément une arme, quoi. Messieurs, vous en avez marre de passer du temps dans votre cuisine? Non, moi j'adore ça. Eh bien, ne cherchez plus. Ok, le gars il donne des ordres. Ça va, Eric Zemmour? Shinju plus 2000. C'est truqué. Ces images sont truquées. Écoutez ce témoignage bouleversant. Depuis que j'utilise Shinju plus, je m'amuse en cuisine. Je suis heureux. Heureux, mésophile, hein? Il y a du pour, il y a du contre. J'aime bien quand même tripoter les petites couilles de mon chien, ça me... Alors, Shinju plus. Qui est le couteau préféré de l'État islamique? Oh, c'est la fin de notre émission. Quel dommage. Quel dommage, panier. Chérie. C'est fini pour aujourd'hui. À demain, Louise. À demain, Gilles. Coupé. Putain, tu ne fais plus jamais ça, toi. Hein. Casse-toi, toi, la pédale, là. Louise. Hein? C'est bon, t'as réussi. On n'a rien vendu. Yes. Par contre, t'es viré.